CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Le plaisir d'accueillir Maître Fernando Belton. Il est président de la clinique juridique de Saint-Michel et porte-parole pour le spectacle Profil Comique. Alors, on dit bienvenue à Maître Belton. Comment ça va, Maître Belton? Bonjour, ça va très bien. Bonjour à toi et à tous les auditeurs. Et merci de me recevoir. Ah ben, c'est un plaisir, mon cher, pour nous parler de ce spectacle, pour nous parler aussi du mois de l'histoire des Noirs, hein, c'est février, ouais, là, hein. Et c'est quelle organisation qui met sur pied ce spectacle, Profil Comique? Donc, à chaque année, la clinique juridique de Saint-Michel, dont je suis le directeur général et non pas le président. Oh, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, la clinique juridique de Saint-Michel, on essaye de trouver des façons, en fait, de mettre en lumière la problématique du profilage racial. Il est certain que, je te dirais que dans l'espace médiatique québécois, lorsqu'il y a des événements ponctuels, lorsqu'il y a des bavures policières, ben, pendant un certain nombre de temps, on va en parler, ça va disparaître un peu de l'espace médiatique. Mais la réalité, c'est que nous, comme organisme qui accompagnons les gens qui en sont victimes, on est dans ce domaine-là tous les jours. Donc pour nous, c'est une belle façon, pendant le mois de l'histoire des Noirs, d'en profiter pour mettre en lumière la problématique. On le fait de deux façons. Donc pendant tout ce mois, à chaque jour, il va y avoir un témoignage, donc du lundi au vendredi, un témoignage d'une personne victime qui va être publié sur nos réseaux sociaux. Et à la fin du mois, donc le 24 février, on aura ce spectacle bénéfice pour ramasser des fonds pour la CGSM, pour nous aider à continuer à faire ce travail. Extrêmement important, parce que l'argent, c'est les nerfs de la guerre, dit-on, et puis on sait que ça prend. Exemple, pour défendre, permettre à ces gens qui sont victimes de profilage racial d'avoir le courage et la motivation d'aller jusqu'au bout de leurs convictions, n'est-ce pas? Pour essayer de faire établir leurs droits. Ça prend de l'argent, pas vrai? Exactement. Puis il faut comprendre que le rôle de la clinique, c'est un rôle d'accompagnement. Donc, on ne représente pas les gens, mais le travail qu'on fait est extrêmement important parce que beaucoup des recours qui existent sont des recours devant des organes administratifs. Donc, on pense par exemple à la Commission des droits de la personne, on pense au commissaire à la déontologie policière. Et dans le cadre des démarches que les gens ont à faire, très souvent, ils peuvent se retrouver devant le fait qu'ils doivent, par exemple, si vous faites l'objet d'une accusation en matière criminelle dans laquelle il y a eu du profilage racial, bien, vous pouvez avoir à vous défendre au niveau criminel. Vous avez reçu une contravention dans le cadre de la même intervention, donc c'est une autre procédure judiciaire en plus. Si vous voulez être compensé financièrement, bien, il faut aller à la commission des droits de la personne ou introduire un recours civil. Puis, si vous voulez que le policier soit sanctionné, il faut aller à la commissaire à la déontologie policière. Donc, notre apport, c'est de faire en sorte que quand une personne est victime, elle frappe à une porte et elle puisse être accompagnée pour l'ensemble de ses services, à la place de faire affaire avec quatre acteurs judiciaires différents. Absolument, absolument. Chaque fois, il faut recommencer. Cela dit, c'est quand même un mois de beaucoup d'activités
Et c'est aussi des activités qui permettent, qui ont un caractère pédagogique d'une certaine manière, parce que la jeune génération peut ignorer totalement le profilage racial, peut ignorer les combats qui ont été menés, en tout cas jusqu'à ce qu'on fasse un contact sérieux avec le racisme. Les jeunes peuvent ne pas encore été en contact avec du racisme. Donc, il faut préparer la jeunesse, il faut aider ceux qui sont plus vieux, qui sont aux prises avec le racisme, la discrimination raciale et le profilage racial. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que le spectacle qui est offert, qui rentre dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, je vois le nombre de comédiens de renom aussi qu'on a essayé d'avoir et que vous allez avoir. Moi, je trouve que c'est formidable. Ben, je vous remercie. Puis justement, on est très content là. On a une belle brochette d'artistes. On parle de Richard Sennheiser, on a Eddie King, on a Garyana Jean-Louis, Doa Cachache, puis également, il m'en manque toujours un à chaque fois que je donne la liste, Eric Preach. Donc, ce sont ces cinq artistes-là qui vont évoluer. Il va également avoir du slam avec Sven Télémaque. Donc, on va avoir un beau spectacle, à mon sens. Puis, tu sais, pour les gens qui vont être présents, on va aussi, on va rire. Puis, ça va comme être un peu un genre de safe space. Puis, j'aime dire, l'idée, c'est pas de rire du profilage racial, mais c'est de créer un espace dans lequel on peut venir créer un espace sécuritaire pour partager, parler de cet enjeu-là d'une autre façon que les façons usuelles, de le faire entre nous. Puis le nous ici, c'est pas entre personnes noires ou entre personnes racialisées, c'est le nous, c'est tous les gens, tous les Québécois qui se sentent interpellés par cette problématique. Et Dieu seul sait qu'il y en a de plus en plus, depuis au moins Black Lives Matter, n'est-ce pas? De plus en plus de Québécois qui se sentent interpellés et qui disent non au racisme, non à la discrimination raciale, non aussi au profilage racial, pas vrai? Mais c'est sûr que le décès de George Floyd, suivi du deuxième essor, donc un essor quand même assez important du mouvement BLM, a réveillé beaucoup de conscience chez beaucoup de personnes. Puis pour nous aussi, c'est une façon, en publiant des témoignages, de dire aux gens, mais ça continue à se produire, ça continue à se produire chez nous, dans nos communautés, dans nos villes, par nos policiers. C'est pas une problématique, une problématique dont on parlait il y a 30-40 ans, Jean-Arnès. Mais aujourd'hui, on en parle encore parce qu'elle existe encore. T'sais, moi, dans le cadre de ma pratique, j'ai des gens que je représente qui ont 75 ans, puis j'en ai d'autres qui ont 15 ans. Donc, on voit que toutes les générations, il y avait une génération qui est épargnée, puis n'importe quel parent noir qui a des jeunes garçons noirs, surtout, le sait. Vous devez parler à vos jeunes garçons et leur dire de faire attention avec la police. Cette conversation-là fait partie d'un passage, un rituel que tous les parents noirs, généralement, vont faire. Parce qu'on sait que lorsque la police, des fois, intercepte nos jeunes, ça ne se passe pas exactement comme ça devrait se passer. Évidemment, et ça serait irresponsable de la part d'un parent, surtout lorsqu'il s'agit, encore une fois, c'est pas du sexisme, lorsqu'il s'agit de garçons. Mais on les voit souvent dans la société d'accueil, chez les policiers particulièrement, comme des bandits, n'est-ce pas? Surtout s'ils ont une certaine tenue, ça peut ne pas arranger les choses, mais pas du tout. Alors donc, un parent se doit d'avoir une conversation franche avec son garçon et surtout lui proposer des comportements à avoir lorsqu'il pourra éventuellement faire face à une situation semblable, pas vrai? Totalement d'accord avec toi. Puis la démarche de la clinique, c'est aussi une démarche de pédagogie. Donc, t'es parler de ce spectacle-là permet pour nous d'échanger justement sur ces enjeux-là qui sont importants. C'est pour ça que lorsqu'il y a des belles initiatives dans la communauté, surtout qui sont faites par des jeunes de la relève, dont j'en fais partie, je l'estime humblement, j'invite la population à soutenir ce genre d'initiative, à aller prendre vos billets. Et venir avec nous supporter qu'est-ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, on le fait pas pour seulement pour le quartier Saint-Michel, on le fait pour nos enfants, vos petits-enfants, on le fait pour
donner une belle image aussi de qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble comme communauté quand on se réunit. Et regardons un dernier aspect pour cette entrevue, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui a commencé il y a, je dirais, presque une trentaine d'années ici au Québec, avec un mois de février. Je ne sais pas qui a choisi le mois de février, ça a été choisi. À un moment donné, on riait un petit peu de l'attitude. Mais mine de rien, le mois de l'histoire des Noirs a servi à quelque chose. Ça permet à des jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être mis au contact d'une réalité, avec une certaine réalité, et aussi être aussi touché par les situations qui peuvent honorer les Noirs, situations, je devrais dire, les réalisations de Noirs, n'est-ce pas, qu'on met en exergue au cours de ce mois beaucoup plus que les autres. Je pense que le mois de l'histoire des Noirs, on mérite de continuer avec cette initiative longtemps encore, on en aura besoin. Absolument, puis moi, c'est un mois que j'adore, le mois de février. Je suis toujours très sollicité pour parler d'un certain nombre d'enjeux, mais au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que je pense que autant notre jeunesse que ceux qui sont, que nos aînés ont besoin de se rappeler de notre histoire comme personne noire, que ce soit notre histoire personnelle comme haïtien, mais comme aussi personne noire de manière générale en Amérique du Nord, comprendre les racines de l'esclavage ici, comprendre la racine des stéréotypes raciaux qui ont souvent guidé certaines politiques, que ce soit des politiques publiques ou des politiques sécuritaires dans cette province ou même dans ce pays. Donc, c'est une belle façon aussi de partager notre art, partager notre culture avec toute la nation québécoise. Donc, j'invite les gens à s'intéresser. Il y a tout un collectif qui travaille très fort et qui a préparé un ensemble d'activités, dont ce spectacle qu'on va voir le 24 février à l'Olympia. Donc, j'invite les gens à s'intéresser, puis je pense que c'est un bon moment pour pouvoir mettre en lumière ce qu'on fait de bien. Alors, j'imagine qu'on peut avoir des billets en ligne, qu'on peut avoir des billets à la clinique juridique, qu'on peut avoir des billets presque partout. Absolument, c'est vraiment facile. Si vous allez tout simplement d'abord sur le site de l'Olympia, vous allez pouvoir le trouver. Si vous tapez sur Google profil comique, vous allez trouver, vous allez tomber dessus également sur nos réseaux sociaux de la CGSM. Cherchez Clinique Juridique de Saint-Michel sur Facebook, également sur Instagram, vous allez trouver, ou tapez mon nom, Fernando Belton, sur mes réseaux sociaux, vous allez trouver. Donc ça va être une petite recherche très rapidement va vous emmener vers l'endroit où acheter vos billets en ligne. Est-ce que ça peut être une sortie familiale? Absolument, je pense que on a des humoristes qui sont très grand public. Il y aura pas de grande controverse. On va rire. On va rire et on va réfléchir. Ça se fait à n'importe quel âge. Oui, oui, j'imagine effectivement qu'il va y avoir des jokes avec une certaine saveur. Absolument, absolument. Pour être à la faveur de ce qu'on essaie de faire. Absolument, absolument. Alors, Maître Fernando Belton, porte-parole pour le spectacle Profil Comique, directeur général, pas président, mesdames, messieurs, de la Clinique juridique Saint-Michel. Je vous remercie, Maître Belton, d'avoir pris du temps et puis on se verra le 24 février. Ça dépend de l'heure, Maître Belton, ça dépend de l'heure. On n'a pas dit l'heure. 19h30. Ouais. Alors, je n'aurai pas de raison de ne pas être là 19h30 parce que j'aurai terminé mon émission à 18h. Mais c'est parfait, voilà. On se voit là-bas et puis je vous remercie du temps accordé aujourd'hui. C'est très apprécié. De rien, mon cher. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler. Merci. D'accord. Au revoir.